Ben moi directement, j'attrape Jessie pour lui raconter ce qui s'est passé hier soir. Ce matin, je demande à Xavier, je lui dis ouais, est-ce que tu as fait quelque chose et tout, parce que c'est bizarre, Julien n'était pas avec moi dans le lit. Et en fait, apparemment, Carla l'aurait massé Kevin. Hier soir dans la nuit, Carla l'aurait massé Kevin. J'encaisse le coup, je rigole vraiment nerveusement. Je descends carrément de trois étages, mais j'essaie de garder mon calme. Mais je sais que dans ma tête, c'est en train de vriller. Et en fait, pour moi, il faut que j'aille voir Carla maintenant pour vraiment savoir la vérité. Pas écouter les uns et les autres, je veux savoir la vérité. Carla, on peut parler deux secondes? Ouais, on peut parler. Par contre, t'as ton côté actif. Je pense pas, je te jure, on peut pas. Non, mais tu n'as pas besoin de parler. Non, mais t'as pas besoin de parler. Tu peux pas arrêter la valise, en fait. Mais y'a pas de valise, mais si on va parler, on va parler. Mais on va parler. Jessie m'interpelle en claquant des doigts. Moi, tu me claques pas des doigts, chérie, déjà. Si tu as envie de discuter avec moi, tu me le demandes gentiment, mais pas en claquant des doigts, je suis pas un objet. Je suis pas ta copine. Entre nous deux, et là, ben, tellement ça monte, ben, Jess, elle vient vite me prendre et elle me met de côté, et du coup, je me mets à l'écart avec Jess. Non, mais arrête, qu'elle arrête de faire la même, je dis, on va parler. Et toi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, hier, tu t'es fait masser par Carla en pleine nuit? Ouais, je sais, c'est Montaigne, tu me massais avant. Ah, mais Carla, elle dit que c'était. Non, et après, vous avez changé, je ne sais même pas rendu compte. Ah, donc dans la nuit? C'est même pas dans la nuit, ça a duré 2 minutes. Ah, dans la nuit, c'était 3 secondes. Je suis énervée contre Kevin et Carla, mais plus contre Carla, parce que voilà, Kev, en soi, ben, on n'était pas ensemble, mais Carla, en fait, elle joue vraiment un double jeu et ça, je supporte pas ça. Non, mais en tout cas, elle fait trop la folle, je vais lui parler. Non, je vais pas lui parler. Tu l'as vu, c'est bon. Elles peuvent se parler. Oui, non, mais il faut qu'elle arrête de faire la meuf avec moi, je vais lui parler avec elle. Non, je vais pas les mecs. Moi, là, j'arrive pas à digérer la chose. Depuis tout à l'heure, je reste un peu dans mon coin, j'essaie un peu de me calmer, mais j'arrive pas. Du coup, je décide de re-aller voir Carla pour en parler, en fait. J'arrive, tout le monde me dit, Carla, elle est venue en pleine nuit, elle a massé quelqu'un. Ah non, pas du tout, parce que alors justement, on a eu une discussion, j'ai massé pendant 1 heure pagaille. Julien, non. Donc, j'ai rien eu du tout. Les 30 dernières secondes, on a pris parce que j'avais mal aux mains, mais y a rien eu du tout, en fait. Donc, ouais, pour moi, c'est bizarre, sachant que t'es son ex, que tu vas masser quelqu'un. Mais pareil, toi, elle porte, pas moi, c'est physique, je peux plus me la voir. Là, elle essaie de m'embrouiller la tête, ça me saoule. Et de toute façon, ça sert à rien que je parle avec elle parce que sinon, je vais encore plus m'énerver et j'arriverai pas à m'arrêter. À cause de vous, encore, on s'embrouille. C'est vous qui m'en avez de vous masser alors que vous avez des meufs en fait. Bah, justement, c'est toi qui massais, après vous avez changé, je me suis même pas rendu compte. Mais non, mais calme ta meuf en fait. Ça prend le temps. Ouais, mais calme-la, c'est pas les choses avec elle en fait. Des moments, c'est bon. C'est vrai qu'avec Carla, voilà, c'était un petit massage de rien du tout, ça. C'est pas comme si on était nus dans des draps. Non, elle m'a juste massé la tête un petit peu et basta. Du coup, voilà, je pense que c'est un peu disproportionné la réaction de Jessie. Mais en tous les cas, je vois que Jessie, elle est jalouse et j'aime bien ça. Jessie, tu as quoi dire? Non, en fait, on va se parler en fait comme ça. Ah bah oui, y a pas de soucis en fait. Je t'agresse pas de soucis. D'accord. Pour moi, t'es toujours une bande sur Kevin. Ah, pas du tout. En fait. Parce que dans la nuit, tu vois, tu le masses et tout. Mais pas du tout, j'ai massé. Par contre, la prochaine fois que tu me dis ferme ta c***, non, ferme ta c***, mais non. Donc, c'est je toi te dis de là. Là. Non, je m'énerve pas, viens. Bon, je parle calmement. C'est juste que tu manques de respect, alors moi, maintenant, je vais te manquer de respect aussi. Là, ben, je prends la parole et je dis à Carla que pour moi, elle a toujours un truc vis-à-vis de Kevin. Et là, Carla, non, j'ai rien vis-à-vis de Kevin. C'est bon, quoi. On voit tes gestes, on voit ton regard. Au bout d'un moment, assume, meuf. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai eu une discussion avec Montaigne par rapport à Kevin. J'ai dit, je ferai jamais de mal à Jessie parce qu'en fait, je n'ai plus rien pour Kevin, en fait. Donc, en fait, c'est dommage que d'un coup, tu te sois énervée. Mais je pour ça, en fait. C'est toi, vraiment. Je viens de parler, tu commences à monter en tour à chaque fois. Je suis arrivée, tu m'as parlé comme une mère, tu m'as dit, viens ici. Je t'ai dit, avec je t'ai dit, viens, Carla, on parle. Moi, ce que j'ai dit, moi, je t'ai pas mal parlé. Je t'ai dit, viens ici, s'il te plaît. Sinon, est-ce que je t'ai dit, ferme ta porte? Encore une fois, tu t'énerves, en fait, alors que je suis assise, je fais rien. Tu fais trop la meuf, Carla, c'est tout, tu fais trop la meuf. Tu l'as dit ta gueule. Là, je suis assise. Oui, j'ai dit ta gueule. Qu'elle m'a gonflée, en fait, clairement. Oui, mais tu me manques pas de respect, moi, je te manque pas de respect. Moi, je te manque pas de respect. Non, mais je voulais vraiment parler avec toi parce que c'est tout, c'est clair. Non, mais c'est tout, c'est clair. À partir de maintenant, ça collera jamais entre elle et moi. Dans tous les cas, on ne peut pas discuter avec Jessie. C'est une gamine qui ne sait pas parler, qui ne sait pas discuter, qui ne sait pas avoir une discussion d'adulte. Bon, c'est quoi le problème, Kevin? Tu parles toujours plus haut. Stop. Le problème, Kevin, c'est quoi?
c'est que Carla, de toute façon, tu peux pas parler avec parce que quand tu parles. Ah, mais regarde, je parle, elle parle. En fait, tu peux pas, en fait, tu peux pas avoir une conversation. Tu as eu une conversation, par exemple, moi je parle, par exemple, tu dis, ça va Julien? Je t'écoute, oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va très bien. Tu vois, c'est chacun un temps de parole, tu vois, c'est comme dans les élections. C'est chacun un temps de parole. Sauf que toi, en fait, tu prends sur le parole des autres pour avoir raison. Je t'aime pas et je vais pas parler avec toi pendant 100 ans. Dans tous les cas, maintenant, je suis avec elle. Donc, massage dans la nuit, quoi, il n'y a plus à faire ça parce que c'est comme ça. Non, c'est tout. Maintenant, je veux plus rien savoir. Moi, clairement, maintenant, je suis en couple avec Evin, donc elle approche plus, plus de massage, plus rien. Je ne fais pas confiance à Carla. Maintenant, elle est prévenue, elle sait très bien à qui elle a affaire. Donc, maintenant, tout est clair.